s'il vous plaît. On n'est pas au football, hein. Attention, ce cafouillage de ballon de Maxime Mermoz qui se reprend et qui en profite pour percer la défense de Biarritz. Mermoz pour Burger. L'accélération de Burger maintenant la lead au sprint avec Bidabé. La belle passe pour Candelon qui accélère. Et Candelon qui va aller marquer le troisième essai de Perpignan. L'essai même du bonus offensif. Un petit peu plus de 10 minutes. Quelle action partie de Maxime Mermoz. On croyait que c'est un ballon difficile pour lui. Il l'a récupéré, il l'a bonifié. 70 mètres plus loin, c'est Candelon qui marque le troisième essai. Avec... Fortassin avec Avramovic. Non, on a préféré servir au bon. De Lazao qui va arriver, le prochain de Lazao. Le prochain, il est passé. Énorme de Lazao. Et le Fugin qui va planquer la première bavarie derrière les photos du 88. Sur le drop, non, il a été chassé, Fauquet, il n'a pas pu jouer. Peut-être, s'il passe, il est passé, Fauquet, pour aller marquer. Le premier essai du match, et c'est marqué par Sébastien Fauquet. Et bien, on disait que tout opposé, les deux numéros 10, et bien, celui qui a pris la ligne, celui qui a franchi, c'est l'ouvreur toulonnais, Sébastien Fauquet qui marque. Attention, alors, avec Vergallo. Qui retrouve derrière lui Diaz, Martin Aramburu, Borges, la vitesse de Borges, il est passé, Lucas Borges tout seul pour Federico Martin Aramburu face à Soine de Poulet, on donne le soutien de Vergallo, le trio argentin a laissé sur la sirène de Vergallo. Accélération de Gorgozzi. Une fois, deux fois, il arrive à retrouver Marshall derrière avec Saramea. Attention, il y a du monde du côté de Montpellier. L'accélération de Wendraogo qui va donner sur le côté pour McCurdy qui retrouve l'intérieur. Magnifique. Oh, le premier essai de Montpellier. Superbe essai de Montpellier. L'essai de Johan Wasserman. Il y a du décalage sur l'extérieur. On revient à l'intérieur. Il lève ses ballons, c'est le 5 qui rafute. Le qui accélère. L'essai. Le troisième essai toulousain est inscrit par Virgile Lacombe. Le départ dans le côté fermé de Codulo avec le relais de Thomas, c'est bien fait. Le petit Coutier pour lui-même dans la fin de Coutier. Il va y aller tout seul. Magnifique. L'exploit individuel. Quel exploit de Julien Thomas et la réaction de Montpellier qui réduit la marque. Mais quelle belle initiative du demi-mêlé montpellierain, lui aussi international. Garo qui sont dans la conservation de balle, c'est bien fait avec Barcella, oui, qui trouve Romain Cabano et Elguenia. Super, et c'est Elguenia. Et le point de bonus, le premier de la saison, confirmé alors que l'on rentre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Et c'est Elguenia, le cinquième, c'est magnifique. Elle est derrière, pour moi, je la suis derrière. Pas mal, le petit Lutin Montois, et il a avec un crochet intérieur, il a fait le trou, il retrouve du soutien à l'intérieur, c'est pas mal ça. Voilà, grosse inscrire, accélération avec Mazzonetto face à Saramea, Mazzonetto qui va peut-être passer, il est à 5 mètres, il est en but, il va passer, ouais, l'essai magnifique. Oh, la belle réaction de Mont-de-Marsan, l'essai magnifique de Baptiste Chenal-Bordu. Il y a du monde à côté Montalbanais pour défendre sur Branac, il y a le soutien de Macchio, on va essayer de jouer avec très vite maintenant, qui accélère, un petit coup de pied à suivre pour lui-même. Le repli de Fortassin, mais ça profite à Trévuc. Oh, super, super. Magnifique essai de Fijan Soudraogo. Quel